plus de 20 ans où l'espace Grand Kasaï a été complètement oublié par rapport à différents projets de développement dans ces coins de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a une lueur d'espoir dans cette partie de la République démocratique du Congo, avec plusieurs projets qui sont déjà en cours de réalisation et d'autres par contre qui sont en train d'être lancés. Le samedi 10 septembre 2022, parmi les différents projets que le chef de l'État a eu à lancer, nous allons vous parler aujourd'hui du projet de la voirie urbaine dans la province du Kasaï central, exactement dans la ville de Kananga, où le président de la République a lancé le projet de modernisation et de reconstruction des 42 km de voirie dans cette province, concernant 5 communes et 37 tronçons qui seront réhabilités et modernisés. Cette société Safrimex qui exécute elle-même les travaux, c'est un projet qui est un partenariat public-privé. Mesdames et messieurs, une lueur d'espoir pour les Kanangais et Kanangaises au cours de ce numéro. Nous allons vous montrer la veille et le jour J où le chef de l'État est arrivé sur place pour voir comment est-ce que la population était en liesse, très contente pour voir et accompagner ces projets. Mesdames et messieurs, la délégation qui a été conduite par le ministre d'État et ministre des Infrastructures, Travaux publics, Reconstruction, Alexis Guissaro, a commencé cette tournée d'abord dans la ville de Mbujimayi, où également, je vous dis que la société Safrimex exécute un projet de 35 km. Ce projet, je vous rappelle, a été lancé le 5 juillet 2022. Mesdames et messieurs, voici le menu du numéro de ce jour. L'heure est maintenant au décryptage et au déroulement du programme que nous venons de vous annoncer. Bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement qui sera focalisé aujourd'hui dans l'espace Grand Kasaï. Bienvenue. Parmi les différents projets que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé le samedi 10 septembre 2022 dans l'espace Grand Kasaï, particulièrement dans la province du Kasaï central, nous comptons par rapport à ces projets également le projet de la voirie urbaine, ce projet de 42 km. C'est à bord d'un engin, un rouleau compacteur que le président de la République a lancé et donné le go du démarrage de ces travaux. Travaux qui seront exécutés par la société Safrimex. Cette société a déployé des éléments et des engins des dernières générations pour l'accélération de ce projet, comme je vous le disais tantôt. Mesdames et messieurs, le chef de l'État avait à ses côtés le président du groupe Socimex, Ibrahim Issaoui, qui était à ses côtés dans cet engin pour donner le go de travaux. Je vous laisse regarder comment est-ce que le lancement de ces travaux s'est présenté le samedi 10 septembre dernier. Suivez et on se retrouve juste après.
Mesdames et messieurs, bien avant le lancement de ces travaux, au rond-point Nganza, où le rechargement et l'embellissement du lieu qui devait accueillir cette cérémonie, mesdames et messieurs, la population était en liesse jusqu'aux petites heures du petit matin, mesdames et messieurs. Nous étions là et nous avons interrogé quelques populations pour voir leurs avis par rapport à ces projets. Mesdames et messieurs, le gouverneur de cette province du Kasaï central était également à côté du président du groupe Socimex Ibrahim, patron de la société Safrimex, qui était là, présent, pour voir comment est-ce les engins devaient venir sur le lieu qui était retenu, bien sûr, pour le lancement des travaux. Mesdames et messieurs, je vous convie à présent à suivre chants de joie, danse et commentaires de cette population qui félicite le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous étions là avec notre caméra jusqu'à 2h du matin, mesdames et messieurs, pour voir comment est-ce que cette population est très contente, comment est-ce que cette population salue le projet. Regardez, on se retrouve juste après. Je vous présente, 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 je vous présente
mu Kasai Central. Alors, Kibwachini Mpinje Tujibalu, Bokubanjila, Nijimuji Benzabu Tukwebu, Bwa Kwinjila, President Fachi, Alwe Tulukumumona, Kichi Tujibalu Ilapaji Beji. Ok, Tuji, hapa, ni population yonsu wanga anza mutu ilangane. Nyele menzi ni, Bantu Boso Baji Nijisanka, Jivitegu nene, Bajibu mvune, Felix Fachi Beton, Ujulu Muko Mina wanga anza, Bokutane Bena anganza. Fumwa dit tout mou du l'homme à laba, boakou il lance, mou du société Safrimex ou Yenzemu, nous dit pas à qui dit la midi moui, moi be ou mouchine doukai. Je ne dis pas qu'il a moudi moui ou mouzon ouanganza, ou comme il ouanganza, bim, pour voir tout le monde à l'enzamou du mou, à dire tout le monde bezo ouane, bah ouais, de bim, pour ouanganza ou dîner, kere ni gila, il y a des moudi gila, katoka, ferme toi jusqu'à katoka, toi le petit kaji. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, que la délégation conduite par le ministre des ITP, ministre d'État et ministre des Infrastructures, a commencé la première descente le vendredi 9 septembre 2022 en Mbujimayi. Profitant de ce séjour de quelques heures, de 2-3 heures, la délégation a inspecté les travaux des 35 km du projet Safrimex. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il y a un ouf de soulagement. La population de Mbujimayi salue la qualité et la vitesse avec laquelle les travaux sont en train d'évoluer. Je vous convie encore une fois de plus, mesdames et messieurs, de suivre ce qui s'est fait en Mbujimayi et on se retrouve juste après. Nous avons voulu voir l'état d'avancement des travaux actuellement
et nous avions donné des orientations très claires. Nous savons que la ville de Mujimai est une ville qui est sujette aux problèmes d'érosion, et donc nous avons demandé aux entreprises ainsi qu'à la mission de contrôle de veiller à ce que les assainissements soient vraiment faits dans les règles de l'art, en tenant compte des normes en la matière. Et nous avons pu faire le constat qu'effectivement tous les chantiers ouverts aujourd'hui, les travaux d'assainissement, la construction des canalisations pour permettre l'évacuation des eaux sont vraiment pris au sérieux. Et c'est cela même que nous attendons justement de non seulement de l'entreprise qui construit, mais également de la mission de contrôle sous la surveillance bien sûr de l'office de voirie et de drainage. Donc nous allons continuer ces visites de manière régulière pour nous assurer que tout est fait selon les instructions reçues. Et nous pouvons nous estimer pour le moment satisfaits, particulièrement pour le second projet qui a pris vraiment une vitesse de croisière visible, le projet de 35 km que nous avons lancé, comme je le disais, au mois de juillet. Et nous faisons en sorte également que l'asphaltage et le bitumage puissent commencer à être visibles. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que les habitants constatent qu'il y a des travaux d'assainissement, mais ils ne voient pas encore l'asphalte, le bitume. Et donc, ça donne l'impression peut-être que, pour ceux qui ne sont pas vraiment connaisseurs, que les travaux ne sont pas effectués, mais c'est ça, si vous voulez, la programmation, le planning qui doit être fait pour que nous ayons des résultats qui puissent être durables. Donc voilà, ici nous sommes d'ailleurs sur un chantier où on voit un grand collecteur qui a été réalisé dans le cadre du projet Chile-Gélou et qui continue, qui constitue vraiment une sorte d'épine dorsale pour l'évacuation des eaux dans la ville de Mujimai. Nous avons, nous, à notre niveau, veillé à ce que les conditions soient réunies pour qu'ils puissent effectuer les travaux, c'est-à-dire nous veillons à ce que les financements suivent. Dans le cas du projet Chile-Gélou, vous le savez que c'est un projet avec le financement, un financement en PPP où le FONER vient en garantie. Et à notre niveau, nous assurons que les financements se font régulièrement. Et je pense que l'entreprise n'a pas à se plaindre de ce côté-là. De la même manière, pour le projet 35 km, pour ce projet-là, c'est un financement, un préfinancement de l'entreprise. Il préfinance et avec l'accord qui a été conclu avec le ministère des Finances, on pourra voir comment rembourser progressivement l'investissement que l'entreprise a été fait. Donc, en termes d'encadrement, tant technique que financier, je pense que les conditions sont réunies pour que les deux entreprises puissent réaliser tous les ouvrages que nous attendons dans les délais. Excellence, la population était en liesse, vous avez vu partout où vous êtes passé, il y a eu beaucoup de population. Quel message pouvez-vous laisser, parce que dans quelques minutes vous allez quitter la ville de Mujimai? Bien, nous comprenons effectivement l'effervescence de la population parce que ces travaux étaient attendus depuis des décennies. Et je pense que c'est l'occasion de féliciter la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, par le fait qu'il veille à ce que ces travaux se réalisent pour que la population puisse jouir de sa ville dans des meilleures conditions. Et ce n'est pas que ici à Mujimai, nous allons poursuivre aussi à Kananga, mais dans la plupart des chefs-lieux que compte notre espace national, donc tout notre pays, la République démocratique du Congo. Et donc, je crois que cette liesse, on va commencer à la voir de plus en plus par toutes les visites que nous ferons, parce que réellement la population peut voir qu'il y a des travaux qui se font et c'est pour le bénéfice de la population.
Mesdames et messieurs, c'était pour moi un grand plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Cette émission est terminée. Vous venez de nous prendre en cours. Je vous rappelle que nous étions focalisés sur le lancement des travaux de modernisation et reconstruction de 42 km de voirie urbaine dans la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. Ces travaux ont été lancés par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a un grand souci dans son cœur de doter des infrastructures, des bases et des qualités à la population. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, je vous convie à le faire pour ne rien rater, pour être à la page par rapport aux travaux de modernisation et de reconstruction de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, comme dans le Congo profond. Mesdames et messieurs, merci et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.